Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier épisode de Koi Kari à la recherche des perles d'Asie. Donc là on est sur la fin du séjour, on a bien travaillé, très fatigué parce qu'on fait des journées vraiment, on court dans tous les sens, on est parti assez tôt chaque matin entre les enchères et puis les recherches dans les montagnes pour trouver des belles pépites dans les élevages, on a bien couru. Donc ça s'est très bien passé. Là ben, pour une fois il fait un petit peu moins beau mais il fait pas froid pour un mois de novembre, c'est plutôt étonnant. Ça a été vraiment agréable. Cette année, comme l'année dernière, j'ai été accompagné par un très bon client et ami, c'est Serge, que je vais vous présenter. Serge, bon ami que j'apprécie beaucoup, avec qui on a passé un très bon séjour. Serge, il a pu se faire plaisir, notamment avec un bel achat aux enchères au Bikai chez Danichi, avec un très beau Maruten Kohaku, qu'on va laisser en Azukari du coup, chez l'éleveur. Oui. Et puis un superbe Kujaku chez Papa Maroussey. Papa Maroussey, ouais. Qu'on cherchait depuis un moment là, un bel achat. Et puis on s'est régalé, hein, comme l'année dernière. Hein, comme à chaque fois. C'est super agréable. Ouais. Non, vraiment. Plus on vient au Japon, mieux, plus on se régale. Ouais. C'est gentil. Ouais. Non, vraiment une belle saison encore et un beau partage, une belle amitié aussi. Et c'est vraiment, vraiment très sympa. Du coup, pour ceux que ça intéresse, alors on peut pas faire venir tout le monde, on a beaucoup de demandes, mais si vraiment vous êtes intéressé pour venir au Japon, si vous voulez vraiment faire un bel achat, trouver un koi un peu hors du commun, des fois ça peut être le koi d'une vie, en s'organisant quand même pas mal de mois à l'avance, voire des années des fois parce qu'on a quand même une liste d'attente, on peut vous accompagner au Japon pour faire un achat un peu d'exception qui va sortir de l'ordinaire. C'est faisable. Donc n'hésitez pas à me contacter et on peut organiser tout ça. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. J'ai pas mal de demandes ces derniers jours avec des personnes qui me disent « Tiens, j'ai vu ce poisson passer dans vos vidéos, est-ce qu'il est disponible, est-ce qu'il n'est pas disponible ?» Souvent, des fois, c'est des poissons qui sont déjà réservés ou qui ont été commandés à l'avance. Pour cela, vous pouvez soit me contacter par WhatsApp. On peut aussi vous abonner, on a une chaîne sur WhatsApp qui permet d'avoir vraiment les infos toutes fraîches. Et puis si vous abonnez sur la chaîne YouTube, vous avez les vidéos vraiment. C'est là où on diffuse en premier les sélections. Ça permet des fois d'éviter de passer à côté d'un bel achat. Voilà, et bien on va continuer notre petite journée de sélection, dernière journée. Et puis on va commencer à retourner après sur Kyoto, Tokyo. Toi ça va être Kyoto. Oui. Et nous avec Sam qui est derrière la caméra, que je remercie aussi, on sera sur Narita, Ueno, et puis on va reprendre l'avion pour retourner en Europe. Allez, c'est parti. Et n'oubliez jamais, si vous voulez des koi d'exception, pensez à Azur Bassin. Thank you.
Bonjour, et bien écoutez, là on est chez Murata Koi Farm, c'est un éleveur que j'apprécie beaucoup. Donc spécialiste du couacou, hein. il fait vraiment que du couacou. Très très bon éleveur, la particularité c'est qu'il a un rouge, un béni qui est vraiment très intense. Des poissons qui deviennent très gros, il a remporté d'ailleurs pas mal de grands prix. Et là on va vous faire une petite visite de la serre, vous allez voir la qualité des installations. C'est vraiment très très belles installations, très propres. On a une eau aussi qui est très très claire. Donc vraiment sympa, et puis là, l'éleveur en plus de ça est vraiment super sympathique. C'est un personnage qui est vraiment très agréable. Allez, c'est parti, visite de Murata. Là, vous pouvez apprécier la qualité des poissons de chez Murata. Ce sont des nissailles, des mâles, et la qualité d'eau aussi, hein. On a une qualité d'eau qui est vraiment excellente. C'est vraiment parfait. Pour nous, c'est plus facile aussi pour choisir les poissons quand on a une eau qui est très claire. C'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des bassins où il y a beaucoup, beaucoup de poissons, où les eaux sont un petit peu plus teintées. Là on est dans une deuxième serre de chez Murata toujours. C'est des poissons plus haut de gamme, on a des gros nissailles, donc des poissons qui ont deux étés, ils auront deux ans l'année prochaine au mois de mai-juin. Et là les nissailles, les femelles, elles font 55-58 cm, ça fait vraiment des gros poissons, une qualité exceptionnelle. On va vous faire quelques images pour vous montrer un peu tout ça. Bon là aujourd'hui malheureusement quasiment tous les poissons sont vendus, ils ont vraiment bien travaillé cette année. Donc, nous, heureusement, on avait acheté des tossailles qu'on a en magasin, là, qui ont bien grandi aussi. Donc, on peut quand même vous en proposer. Vous les retrouvez sur le site d'ici quelques semaines. Mais là, vous voyez un peu la qualité du travail de chez Murata, mais on ne peut pas acheter aujourd'hui dans cette serre. Il n'y a plus grand-chose. Mais c'est plutôt bon signe, ça veut dire que les poissons plaisent et qu'ils sont de bonne qualité. Allez, c'est parti, deuxième visite. Thank you.